Des duos, il y en a eu dans Taratata. Il y en a eu énormément. Alors malheureusement, il y a des duos qui ne pourront plus se produire parce que, par exemple, Barry White n'est plus de ce monde, donc il ne pourra plus chanter comme il a fait avec Liane Folly. Il y a des duos qui ne se reproduiront plus parce que des groupes se sont séparés ou ne chantent plus ensemble. Et puis il y a des duos qui, parce que l'humeur, parce que les rapports ne sont plus les mêmes et parce que surtout la dimension de ce duo qui a un poids incroyable, ne pourra plus jamais avoir lieu à nouveau sur un plateau, donne encore plus de valeur à ce document. Elles ont toutes les deux été amoureuses d'un même artiste, d'un même Pygmalion. Elles se sont retrouvées toutes les deux sur un plateau à chanter la groupie du pianiste, France Gall, Véronique Sanson, un moment magique qui restera jamais gravé dans nos mémoires parce que ça ne pourra pas se produire ailleurs que dans Taratata. Cacher son bel avenir, la groupie du pianiste. Toute cette figure triste, amoureuse d'un égoïste, la groupie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, pour un geste tendre, la groupie du pianiste. Le soir entre ses bras roses.